Voilà, donc nous sommes devant le Seigneur maintenant et nous allons particulièrement aller ce soir dans un passage, un épisode de la vie de Joseph. Et j'aimerais lire dans Genèse 37, verset, à partir du verset 12. Alléluia. J'ai intitulé ce message « Les cinq citernes ». Les cinq citernes, les cinq puits. À partir donc du verset 12 dans Genèse 37. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël, donc Jacob, dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël, donc le vieux père, lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. » « Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'ils soient proches d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive, le rêveur, le dreamer. Hein? Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben, le plus vieux frère, l'aîné entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait des seins, donc il avait un projet, de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point Seigneur, nous te bénissons pour la lecture du texte sacré. Nous te bénissons, Seigneur, car tu as certainement quelque chose à dire à quelqu'un. Ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli un effet dans un cœur. Nous te demandons que nos cœurs soient ouverts, soient un bon terrain et que la semence de la parole puisse y fructifier et que nous portions du bon fruit à ta gloire. Je te prie, Seigneur, de renouveler quelqu'un qui a besoin de courage. Je prie, Seigneur, d'encourager quelqu'un qui est triste, car tu es le Dieu vivant et merveilleux, et tu nous prends par la main, et tu nous conduis dans ton chemin. Seigneur, merci. Veuille bénir ces instants au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons devant nous ce soir un épisode de la vie de Joseph, et au travers de ce qui lui est arrivé, il y a beaucoup à apprendre pour nous. Il est dit qu'ils le dépouillèrent de sa tunique, hein, ils le prirent et le jetèrent dans une citerne au désert, donc un ancien puits, et ce puits est décrit. Il est dit que cette citerne était vide et sans eau, vide et sans eau.
J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est une jungle. C'est une véritable jungle qui engloutit sa victime. Le monde est une jungle qui dévore sans pitié quiconque met la main dans l'engrenage pour essayer de trouver du plaisir dans ce monde. Pour nous qui connaissons Jésus, eh bien, la chose est différente. Nous avons Joseph qui peut représenter ici le jeune chrétien, ou un chrétien plus âgé, mais ce chrétien est en face du monde, en face des tentations de ce monde, en face des joies passagères que offre ce monde. Et Joseph, on peut dire, représente le jeune chrétien qui est en face de toutes sortes d'injustices, comme lui, évidemment, en a vécu. Pour lui, pour Joseph, ça a été la citerne. Direction, la citerne, une citerne vide et sans eau. Vide et sans eau. La question que j'aimerais poser, ce soir à quelqu'un, dans quelle citerne es-tu aujourd'hui? Dans quelle citerne? Joseph s'est retrouvé, lui, innocent, à 17 ans, jalousé par ses frères, et la fameuse tunique qu'il avait multicolore représentait son futur. C'était un cadeau que le vieux père avait fait à Joseph, et les autres, évidemment, n'en avaient pas reçu de semblable. Et à leurs yeux, cette tunique pouvait représenter que plus tard, après la mort du vieux père, Joseph régnerait ou dirigerait le clan familial, et ce qu'il ne voulait pas, il le jalousait. Et la jalousie, c'est un monstre aux yeux verts, aux yeux amers, aux yeux mortels et empoisonnés, littéralement. Et dès qu'ils l'ont vu, donc loin du lieu familial, alors ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu tout d'abord lui enlever sa tunique. Et cependant, il y a quelque chose qui revient dans la vie de Joseph, au travers de tous les déboires, les injustices, les citernes qu'il a subies, c'est ce leitmotiv, l'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et chers amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, j'aimerais vous dire, nous allons voir donc aujourd'hui 5 citernes au travers desquelles on peut se retrouver, et les 5 sont toutes sèches et vides. Rien. Il n'y a pas d'eau dans ces citernes. Il n'y a pas de rafraîchissement. Il n'y a pas de vie. Et donc, Joseph s'est retrouvé là à cause de quoi? Il s'est retrouvé là à cause de son intégrité. Il s'est retrouvé là à cause de son activité, sa fidélité, à cause de son grand cœur. Et j'aimerais que nous puissions passer au travers d'une sorte, je dirais, de champ avec différentes citernes. Et on va s'arrêter devant la première, la citerne de la maladie. Es-tu aujourd'hui dans cette citerne? À travers de la maladie, tout est vide. Tout est remis en question. Et je dirais que nous la rencontrons souvent, régulièrement, sur notre route, même si on est chrétien. Il y a des chrétiens qui pensent que depuis qu'ils ont accepté le Seigneur, ils ne seront plus jamais de toute leur vie malades, tout ça. Donc c'est un extrémisme qui n'est pas du tout dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul lui-même, un jour, en parlant d'un collègue, a dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » Et j'ai dû continuer mon voyage et j'ai laissé donc ce collègue malade à Milet. Trophime s'est retrouvé dans la citerne de la maladie.
on la rencontre souvent sur notre route. C'est difficile de se retrouver dans la citerne de la maladie quand les autres sont en bonne santé. Quand les autres rient, quand les autres chantent, quand les autres s'amusent et vous, vous pleurez de douleur, quand les autres jouissent de la vie et vous ne pouvez pas jouir au même niveau que les autres de la vie. Alors parfois arrive l'envie de se révolter, l'envie de tout abandonner, tout lâcher, de claquer la porte, de tout mettre par-dessus bord parce que vous êtes dans cette citerne vide, sans eau, sans rafraîchissement. Vous avez envie parfois, la tentation est là, de partir au loin comme le fils prodigue où il est dit qu'il partit dans un pays éloigné. La citerne vide et sans eau est un passage parfois obligé. Mais je dirais à la personne qui m'écoute et qui se trouve aujourd'hui dans cette citerne, regarde à celui qui a souffert pour toi. La solution n'est pas de s'enfuir, n'est pas de partir vers un pays éloigné. Non. Le Seigneur nous parle. Dans Lamentations de Jérémie, par exemple, et je pense que c'est prophétique par rapport à ce que Jésus a souffert, je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. Jésus a été jeté dans cette citerne. On l'a dépouillé de sa robe multicolore, de sa divinité. Hé, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. On s'est moqué. Quand Joseph était au fond de la citerne, ses frères étaient en haut et devaient le regarder, et j'imagine qu'ils lui en ont dit. Il en a reçu sur la tête toutes sortes d'insultes. Et Jésus a reçu les crachats. Il a reçu les coups de poing, il a reçu toutes sortes de choses, on l'a poussé, il a titubé. Pensez à Jésus, aux souffrances du Seigneur, vous qui êtes dans un puits de maladie. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Job était un homme riche, puissant, et il est passé cependant par le chemin de la souffrance. Et lui aussi, il a connu la citerne vide et sans eau. Mais il en est sorti victorieux avec de grandes bénédictions. La Bible dit, prenez pour modèle de souffrance. Il y a des modèles de souffrance. Il y a des modèles sur lesquels on peut agripper nos doigts tremblants et nos mains usées et malades. Prenez pour modèle de souffrance ceux qui ont persévéré, qui ont souffert. Vous avez entendu parler de Job, va dire le pasteur de Jérusalem, Jacques. Et vous avez vu là, la fin. La finalité que le Seigneur lui a accordée. Ézéchias, un jour, ce roi, ce bon roi d'Israël, s'est retrouvé dans la citerne de la maladie. Il était sur le point de mourir. Et voilà que le verdict était tombé, le prophète Ésaïe l'avait visité une dernière fois sur son lit de douleur, en lui disant, finis tes papiers, les paperasses, tout ça, parce que tu n'en as pas pour longtemps. Dieu va te rappeler. Et vous savez que cet homme a pleuré, a crié littéralement à Dieu, s'est tourné vers le mur de chaux blanche de sa chambre et il a pleuré abondamment devant le Seigneur. Et voilà que
de nouveau, la porte s'ouvre et l'homme de Dieu revient et lui dit, « Tu sais, Ézéchias, tu viens de prier, Dieu me l'a dit. » Et il a entendu ta prière et il va t'ajouter 15 ans à ta vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Chers amis, vous savez que cette citerne de souffrance, de maladie, a été subie aussi par, je dirais, le chef de synagogue, je dirais d'une certaine manière, au travers de sa fille, qui était malade à la mort, et s'est retrouvé lui aussi dans cette citerne sèche, sans aucune vie. Et il a crié, il a pris le bord, je dirais, du vêtement de Jésus. Viens, viens, ma fille est à l'extrémité, tellement malade. Viens, relève-la. Et alors que Jésus, donc, prend un peu son temps, il est impatient, et ce papa qui aime sa fille, donc, voit qu'il y a d'autres choses qui préoccupent Jésus. Et cependant, Jésus s'en vient, maintenant, finalement. Et là, mauvaise nouvelle, arrivé proche de la maison, des gens sortent en disant, « Oh, Jaïrus, plus la peine. Ta fille est morte. Et plus la peine. » Vous connaissez la suite. Celui qui est le prince de la vie, eh bien, a chassé la mort. Il a ressorti avec, je dirais, des bras d'amour, eh bien, la fille de Jaïrus de sa citerne. Alléluia. Ce n'était même plus de la maladie, c'était là de la mort. Rien n'est impossible à notre Sauveur. Le Seigneur s'est révélé alors qu'Abraham avait 99 ans. Il lui est apparu une nuit et lui a dit, « Je suis le El Shaddai, le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à moi. » Alléluia. Un an plus tard, ce vieillard de 100 ans allait avoir un bébé, le sien, dans ses bras. Rien n'est impossible. Rien. Est-ce possible? Rien n'est impossible. Alors, rien n'est impossible. Dis-toi cela dans ton cœur. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Ne crains pas, avait dit Jésus à Jaïrus, crois seulement. Crois seulement, c'est tout. Tout ce que tu as à faire, Jaïrus, c'est de croire. Quand la maman, la Cananéenne, est venue pour sa fille, qui était tourmentée par les démons, hein, aux pieds de Jésus, vous connaissez la fin, Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a sauvée. Ta foi a sauvé toi et ta fille. Alléluia. Es-tu dans la citerne de la maladie? Tourne tes yeux vers le ciel. Tourne tes yeux vers Jésus. Prends comme exemple celui qui est le grand souffrant, qui a tant souffert pour chacun d'entre nous. La deuxième citerne, c'est un autre genre de citerne. C'est la citerne du rejet. Être rejeté par les autres. Quand les amis, auparavant, nous rejettent, le vent change. Les amis qui nous aimaient auparavant, maintenant, nous méprisent. Et nous jette dans une citerne vide et sans eau. Ça peut être des parents, parce que l'on a accepté le Seigneur. Notre vie a changé pour le mieux. Et parfois, il arrive que certains parents sont injustes envers les chrétiens, simplement parce qu'ils sont devenus chrétiens. Le Seigneur a une parole vis-à-vis de pour ceux qui sont dans ces citernes du rejet. Le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Donc nous avons été avertis vis-à-vis de cela. Mais lorsque ça nous tombe, je dirais, comme un gros billot
je dirais, sur la tête. Nous, on pensait que tout le monde nous aimerait parce qu'on est chrétien, on a quitté le bar, on a quitté l'alcool, la cigarette, la drogue, les soirées, et ainsi de suite. Eh bien non. Les amis nous rejettent, les parents ne comprennent pas notre démarche, les camarades de travail nous montrent du doigt, et il rit lorsqu'il nous voit arriver. Ah, salut Jésus, l'homme à la Bible, ils ont toutes sortes de noms, évidemment, donc pour les chrétiens et les chrétiennes. Et ça peut créer dans le cœur de l'amertume. L'amertume dans le cœur, voyez, à cause de ce rejet. Les gens nous mettent dans la citerne du rejet. L'apôtre Paul a averti Timothée, lui a dit, pour toi, tu as suivi de près mon exemple, mes souffrances, les rejets que j'ai subis. Et Paul ajoute à Timothée, je vais te dire quelque chose, Timothée, il va falloir que tu l'imprimes dans ton cœur, tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Personne n'y échappe. C'est quelque chose inscrit dans les Saintes Écritures. Mais cependant, le Seigneur a dit, il n'est personne qui a quitté, à cause de moi, et de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Quelle promesse, amen, le Seigneur nous a fait, même si nous sommes dans la citerne du rejet. La victoire nous viendra toujours du Seigneur. Toujours du Seigneur. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente descend d'en haut. D'en haut, ça vient d'en haut, voyez, la bénédiction vient d'en haut. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas monté d'en bas, il est descendu d'en haut. Et toute grâce, toute bénédiction nous viendra toujours d'en haut. C'est la raison pour laquelle nous devons devenir des fanatiques de Jésus. Alléluia. Aimer Jésus, tomber en amour avec Jésus, l'aimer de tout notre cœur, c'est le plus grand commandement. Tu aimeras. Aimera, c'est la question que Jésus a posée à Pierre après son reniement. M'aimes-tu ? Jésus recherche avant toute autre chose notre amour. Nous savons qu'il nous aime, mais l'aimons-nous ? On peut grandir dans cet amour. Cet amour peut croître, je dirais, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a dit, si vous êtes persécutés en faisant le bien, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Réjouissez-vous parce que, évidemment, donc, votre récompense sera grande dans les cieux. C'est futur. C'est au verbe futur. Sera, voyez, grande dans les cieux. C'est ainsi, c'est comme cela qu'on a persécuté les prophètes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui ont été avant vous. Donc, nous ne sommes pas les seuls. Ça s'est déjà passé avant nous. Il y a des gens qui ont passé sur la terre, qui ont aimé Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à leur dernier souffle. Donc, ce n'est que normal si parfois nous sommes persécutés. Jésus a été appelé un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Est-ce que ça vous est arrivé que quelqu'un que vous connaissiez très bien auparavant, mais depuis que vous êtes chrétien, il vous rencontre sur la rue, touc, il passe sur l'autre côté, il ne veut plus vous voir. Ou même il ne vous regarde pas. Il vous a reconnu, mais il ne veut pas vous voir. Voyez. Ça, c'est dans le normal. C'est le normal, normal, normal. Voyez, la normalité du chrétien. Donc, sois fidèle jusqu'à la fin, et tu auras la couronne de vie. Alors, troisième citerne. La citerne de l'incompréhension. La citerne de l'incompréhension. Voyez, c'est une citerne vide.
sans eau. C'est une citerne bien triste pour un croyant, un chrétien, parfois un jeune croyant. On pensait, en devenant chrétien, qu'on allait convertir tout le monde. C'est si merveilleux, c'est si glorieux. Nous n'avions jamais vécu une expérience aussi profonde, aussi belle, aussi merveilleuse. La dette est payée, on va au ciel, c'est certain, c'est sûr et certain. On est pardonné, alléluia. Quelqu'un a payé notre dette que nous ne pourrons jamais rembourser. On n'a même pas besoin de rembourser. C'est formidable. Et on a pensé que tout le monde autour de nous allait recevoir dès qu'on parlerait. Les cœurs seraient ouverts, évidemment. On ne pourrait pas refuser une telle offre que le Seigneur donne. Voyez, on pensait convertir tout le monde, les parents, les amis, la famille, les voisins, tout ça. Et on est tombé sur une muraille épaisse. Muraille, un mur épais, infranchissable, insurmontable. Tout cela pour te dire, mon frère, ma sœur, tous ne supporteront pas ta foi, ton ardeur, voyez, ta joie en Jésus-Christ, ton amour pour le Seigneur. Beaucoup ne supporteront pas cela. Rappelons-nous que l'on peut se retrouver dans cette citerne, l'incompréhension. Moïse y a été. Alors qu'il était en Égypte, il avait reçu, pensait-il, ce mandat de Dieu de délivrer le peuple de l'esclavage. Et la Bible dit, dans Actes 7, 25, il pensait que ses frères comprendraient. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Et le texte dit, mais ils ne comprirent pas. Mais ils ne comprirent pas. Moïse pensait qu'ils comprendraient. Voyez, ils n'ont pas compris. Ils l'ont jeté dans la citerne de l'incompréhension. Rappelons-nous Lot à Sodome, lorsqu'il est allé frapper à la porte de ses gendres pour les avertir de la catastrophe qui s'en venait. La Bible dit, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Belle plaisanterie. Il est bien trop bon, il ne détruira pas Sodome et Gomorre. Et pourtant, vous connaissez la suite. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, ennemis des gens de bien. Donc il faut s'attendre à cela. Pour nous, nous courons, mais nous courons avec les regards sur Jésus. Et déjà au loin, nous voyons briller les lumières, la capitale céleste, au milieu de la nuit de ce monde. Hallelujah. C'est là que nos regards doivent évidemment se poser. Merci Seigneur, les regards sur Jésus. Considérez en effet, nous dit Hébreux, considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des hommes. De la part des hommes. Depuis 2000 ans, toutes les générations se sont opposées à Jésus. Le chemin grand et large est rempli, rempli de gens qui descendent vers leur perdition. Et nous nous cheminons sur un sentier à la queue leu-leu, je dirais, étroit et resserré. Et nous voyons donc ces gens descendre de l'autre côté. Et nous aimerions les inviter, mais pour eux, c'est une plaisanterie. Pour eux, il n'y a pas d'enfer. Dieu est bien trop bon. Toutes les religions sont bonnes, vous connaissez, évidemment. Donc, mais la Bible dit qu'il n'y a un seul qui peut nous sauver, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ayons les regards sur Jésus. Marchons avec Jésus. Lui aussi, Jésus, il a été jeté dans la citerne de l'incompréhension. Il a été incompris. Mais j'aimerais te dire que toi, mon frère, ma sœur, si les autres ne te comprennent pas, lui, il te comprend. Lui, il te comprend. Parce qu'il a vécu cela. L'apôtre Paul à Athènes,
Hein, imaginez ce grand apôtre. C'était tout un apôtre. Personne de nous n'arrive à la cheville de cet homme-là. Et pourtant, lorsqu'il a parlé, évidemment, de la résurrection des morts, beaucoup se sont moqués dans l'auditoire. Hein, tu repasseras. Hein. Que les morts ressuscitent. Mais tous vont ressusciter. Tous les hommes vont ressusciter. Tous les morts vont ressusciter. Et Jésus a dit, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la perdition éternelle et la honte éternelle. C'est la parole de Dieu. Noé, divinement averti de la catastrophe mondiale, s'est fait ridiculiser pendant des années, mais il est resté accroché à son message. Lui aussi a connu la citerne de l'incompréhension, une citerne vide et sans eau. Il y a une autre citerne, la citerne dans laquelle Satan aime jeter les chrétiens. C'est la citerne du découragement. La citerne du découragement. Un chrétien découragé est inutile. Il ne peut plus rien faire, il ne témoigne plus, il ne prie plus, il est au point mort. Paul va dire à certains, qui vous a arrêté? Vous courriez bien. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Satan veut nous stopper. Satan veut nous décourager. Il veut nous envoyer faire un séjour dans la citerne vide et sans eau. Ah, oh, pasteur, les autres, c'est les autres. Ils ont l'air tellement d'être bénis, mais moi... Ah ouais. Moi, je suis malheureux, je suis malheureux. C'est les autres qui sont bénis, moi, je ne suis pas béni. Voilà, vous êtes dans la citerne du découragement. Vous y êtes. Je dirais, quand on pense que personne ne peut nous comprendre, quand on croit que personne ne peut nous aider, quand on pense que personne ne peut nous encourager, quand on pense que personne ne peut véritablement nous fortifier, vous êtes découragé. Vous êtes dans la citerne. Rappelez-vous l'homme que Jésus a rencontré au bord de la piscine à Jérusalem de Bethesda. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je suis tout seul. C'est les autres qui ont la bénédiction, mais moi, personne ne s'occupe de moi. Voilà la citerne de découragement. J'aimerais vous dire aujourd'hui que votre joie ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des circonstances. La joie, notre joie. Notre joie va dépendre toujours de notre communion intime avec Jésus. C'est cette relation avec Jésus qui va faire que nous ne serons pas découragés. Nous ne serons pas découragés. Paul et Silas auraient pu être découragés. Ils ont eu une vision d'un Macédonien, ils ont pris le bateau pour aller en Macédoine, semblant, pensant que Dieu les envoyait là-bas. Arrivés là-bas, ça va très mal. Ils se font battre, ils se font lacérer, c'est terrible, et finissent où? En prison. Seigneur, ça n'a pas de sens. Tes visions ne sont pas bonnes, voyez? Ou peut-être que je n'ai pas eu la bonne vision. Ou peut-être que je n'ai pas eu la bonne réaction, je ne suis pas dans ton plan. Ils auraient pu se poser toutes sortes de questions. Et voilà en prison, et Paul et Silas, que font-ils? Eh bien, ils chantent les louanges du Seigneur. Ils ne sont pas découragés. Ils chantent. Quand vous chantez, amen, vous n'êtes pas découragés. Quelqu'un de découragé ne chante plus. On l'a vu l'autre jour, nous avions suspendu nos harpes au sol de Babylone. Ils étaient découragés. Découragés. Quand on est découragé, on ne chante pas, voyez. Et là, il est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Ils louaient véritablement le Seigneur. Ils ne sont pas pleins, absolument pas. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul va dire, et même si je sers de libation pour le sacrifice, il parle d'une mort violente qu'il pourrait subir,
hein, et même si je sers de libation pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi. Dans des conditions difficiles, nous voyons que Paul, il a une réaction qui lui vient de celui qui l'habite à l'intérieur, le Saint-Esprit, la joie du Seigneur, Jésus en lui, l'espérance de la gloire. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul est en prison, la prison de Mamertine, à Rome. Il va subir la mort, il va être décapité dans quelques heures, dans quelques jours. Et pourtant, il va dire aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On a besoin d'aller un peu plus loin. On a besoin de faire quelques progrès pour arriver, évidemment, à ce stade où se trouvait l'apôtre Paul. Seigneur, aide-nous. Amen. On va lire la prière d'un malheureux. Regardez la prière d'un malheureux, psaume 102. Psaume 102. La prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Quand mes jours s'évanouissent en fumée, mes os sont enflammés comme un tison. Il a mal dans les os. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Il n'a plus faim. Mes gémissements, il pleure, sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Il n'est pas très gras, voyez. Ses os s'attachent à sa chair. Je ressemble, voyez, au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Quelle description, voyez, d'un découragé, d'un malheureux qui crie cependant vers le Seigneur. On voit que notre foi ne doit pas être ébranlée par l'épreuve. L'épreuve vient. L'épreuve, elle est aussi, je dirais, un moyen pour s'examiner, savoir où est notre foi, comment solide est notre foi. Et là, évidemment, donc, on peut se fortifier au travers de l'épreuve. En se rappelant, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tiens, on revient à cet amour pour le Seigneur. Le moteur, l'huile, voyez, c'est l'amour envers le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Restons auprès du Seigneur. Calme, voyez, calme devant le Seigneur. Même si cette citerne est vide et sans eau. Reste avec nous, Seigneur. Le soir approche, le jour est sur son déclin, disaient les deux disciples d'Emmaüs. Ils traînaient de la pâte, ils revenaient de la crucifixion. Quelques instants plus tard, ce n'était plus la dépression, c'était la mission. Ils sont retournés en courant, alors qu'il faisait nuit, possiblement. Le soleil maintenant était couché, mais plein de joie. Jésus était ressuscité, il n'était plus découragé. Mon frère, ma sœur, Christ ne t'a pas abandonné. Non, 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 il a promis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Que peut te faire un homme? Chers amis, prends courage, prenez courage dans le Seigneur. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, mais Dieu était avec lui. Alléluia. Les trois Hébreux sont retrouvés dans la fournaise ardente, mais Dieu était avec eux. Élie, le prophète, était sous le genêt du découragement. Et voilà qu'un ange lui a apporté un gâteau cuit et une cruche d'eau. Il a mangé, il a bu, il a dormi, alléluia, et il a marché pendant 40 jours sans rien manger à cause de cette eau et de ce gâteau du ciel. Alléluia. Nous pouvons marcher longtemps en nous nourrissant de ce gâteau merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Je ne sais pas si vous aimez faire les gâteaux. Amen. Ma femme aime bien de temps en temps. Mais cependant, le gâteau que nous avons ici, c'est un gâteau merveilleux. Amen. On vous en prenait une petite bouchée.
Moi, il pouvait, je dirais, marcher toute la journée, sans rien manger d'autre. Amen, la bonne parole de Dieu qui nous rassasie. Gloire au Seigneur. David, un jour, était découragé. Oui, il l'était. Il est dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Appuie-toi, nous l'avons chanté tout à l'heure, appuie-toi sur le Seigneur. Amen. Un appui solide se trouve sur le Seigneur. Et je terminerai par cette cinquième citerne. C'est une citerne qui n'est pas facile quand on se trouve à l'intérieur. La citerne de la tentation. Quand vous êtes tenté, Luther, ce grand homme de Dieu, un jour a dit, je ne peux pas empêcher les corbeaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire leur nid dans mes cheveux. Ce qu'il voulait dire, vous l'avez compris, vis-à-vis de la tentation. Qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, régulièrement on est en prise avec les forces du mal. Joseph, c'était la femme du patron, la femme de Potiphar, qui a voulu s'amuser de lui et avec lui. La bonne réaction que Joseph a eue, comment ferais-je un aussi grand mal? Et il a ajouté, comment pécherais-je contre Dieu? Il a eu la très bonne réaction. Le monde autour de nous nous montre et va nous montrer de plus en plus ses plaisirs et ses fameuses joies éphémères. Et en réalité, ce que nous devons faire vis-à-vis de cela, c'est s'en aller à la course, loin de ces choses-là. Paul a dit au jeune Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Nous avons revu dernièrement avec mon épouse sur le bord d'une route, un grand panneau qui est marqué « Gardez vos distances ». On s'est mis à rire parce que nous, on a spiritualisé ça vis-à-vis du Seigneur, voyez, et on s'est dit, oui, on va aller garder nos distances vis-à-vis de ce monde. Vis-à-vis de ce monde impie, ce monde sale. Gardez vos distances. Hein. Oui, on va les garder. Et le monde, évidemment, va aller de pire en pire. Il a dit que les hommes séducteurs et pécheurs vont avancer toujours plus dans le mal. Dans le mal, voyez. Et j'aimerais vous dire que le christianisme sans moralité, c'est un arbre sans aucun fruit. Et je dirais que la morale sans le christianisme, c'est un arbre sans racine. On a besoin de Jésus. On a besoin de valeurs qui sont dans la Bible, dans la parole du Seigneur. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat, le bon combat. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis, voyez. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, ne te laisse pas prendre, mon frère, ma sœur, au piège par le monde qui veut te réduire à l'esclavage. À l'esclavage. Ne retourne pas en Égypte. C'était un des principes de Dieu lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dieu a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. C'est ce que Dieu avait déclaré. Donc, ne retourne pas vers le monde. Ne retourne pas vers l'Égypte. Quand on est délivré, les hordes de l'enfer, elles ne nous quittent pas, elles nous poursuivent. Comme les Égyptiens ont poursuivi les enfants d'Israël qui avaient été délivrés de l'esclavage.
Et imaginez ce que les enfants d'Israël ont dit un jour. Nous aimons mieux servir les Égyptiens. Nous aimons mieux servir les Égyptiens. Vous comprenez pourquoi Dieu est en colère continuellement contre ces rebelles, ces incrédules, et ainsi de suite, alors que Dieu les avait délivrés, Dieu les avait bénis, le sang sur le linteau des portes, vous avez oublié ça? Mais ça représente évidemment Christ sur la croix. Alléluia. Dieu les avait nourris, les avait, leurs chaussures ne s'étaient pas usées. Dieu avait ouvert une mer lorsque les Égyptiens les poursuivaient. Dieu avait placé la lumière du côté des enfants d'Israël et les ténèbres épaisses du côté des Égyptiens. Oui. Donc, Dieu voulait la séparation. Il est dit que les deux camps n'approchèrent pas l'un de l'autre pendant toute la nuit. Nous sommes dans la nuit. Il ne faut pas que les deux camps se rapprochent. Gardez vos distances. Peut-être qu'un jour, je ferai un message, je vais mettre ça comme titre, « Gardez vos distances ». Sois fort dans le Seigneur, mon frère. Sois forte dans le Seigneur. Sois fidèle. Il y a une grande victoire qui s'en vient. Il y a une mer qui va s'ouvrir. Hallelujah. Tu vas avoir de l'eau, tu vas avoir du pain, tu vas être nourri. Le Seigneur est un Dieu tout-puissant, c'est un créateur. Joseph a déclaré, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma tristesse, de mon affliction. Dieu est tout-puissant. L'adversité est un outil de Dieu, puissant. Ça fait mal, mais on grandit. N'oubliez pas que le Seigneur est là, il veille sur nous, il relève notre tête. Mon frère, ma sœur, marche contre vents et marées, relève la tête, la délivrance approche. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et si tu es dans une de ces citernes que j'ai citées aujourd'hui, mets-toi sur tes genoux. Nous allons le faire dans quelques instants. Prie, intercède auprès du trône, lève les yeux vers le Seigneur. Sa grâce nous suffit. C'est tout ce dont nous avons besoin, la grâce de Dieu. N'oublie pas que toute arme forgée contre toi par l'ennemi sera sans effet. Sans effet. Alléluia. Ça, c'est la promesse du Dieu éternel. La souffrance précède la gloire. La souffrance précède la gloire. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire? Premièrement la souffrance, ensuite la gloire. Si nous sommes morts avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous relever, nous bénir. Alléluia. Et si tu passes au travers de ces citernes, si tu es jeté dans la citerne du découragement, la citerne de la tentation, de l'incompréhension, de la maladie, du rejet, Alléluia, il y a une solution. Joseph est descendu pour remonter et s'asseoir sur le trône de l'Égypte. Tu peux descendre, mais sache que le Seigneur est celui qui va te relever et jusqu'à t'asseoir à côté de lui sur son trône, comme lui, il a vaincu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, pour ce que nous avons entendu. Tu es le Dieu qui sait si bien, Seigneur, prendre soin de nos cœurs, de nos âmes, de nos difficultés, nos situations variées, Seigneur. Je te prie particulièrement si quelqu'un se trouve aujourd'hui dans la citerne de la maladie, de le relever, de le guérir, Seigneur. Quelqu'un peut-être a été rejeté par ses amis, par ses frères, par son mari, par son épouse, par ses enfants. Seigneur, alors agis pour bénir, Seigneur, que cette personne puisse continuer jusqu'à la fin, parce que tu as pour elle une couronne à poser, la couronne de vie sur sa tête. Merci Seigneur.
Si quelqu'un se trouve dans la citerne de l'incompréhension, Seigneur, toi, tu nous comprends et nous sommes dans le bon combat. À toi soit toute la gloire, au nom puissant de celui que bientôt nous allons voir, Jésus, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni.